dans la zone Delma 19, il y a un mouvement qui paralyse la circulation dans la zone faculté à côté. Étudiants ont utilisé chaises accroches pour bloquer la route là. Peterson Luxamat a fait un coup de patte. Il y a un reportage. C'est un mouvement protestation qui réunit plusieurs dizaines d'étudiants université ça. Plusieurs photos victimes nan nan men yo, pancarte qui écrit avec slogan toute qualité. Étudiants au campé entre avenue Martin Luther King à Cri Rivière pour dénoncer phénomène kidnapping là et puis mandé libération professeur yo Abdias Edumé, bandit sans foi ni loi kidnappé. Étudiants ça au quoi c'est trop à tort. Yo estimé yo pas vivre. Avec professeur nous demandé 1 million de dollars. Nous demandons 1 million de dollars américains. Ça va en vie. Depuis nous sortir de l'aise. N'a pas mangé nous balles. L'un de la caille nous balles. Ça va en vie, man. Le message a passé pour nous parce qu'il fait nous mal trop, man. Et nous demandons libération, professeur. Abdias Edumé a enseigné sciences juridiques depuis plusieurs années dans l'université. Ça, lycée ancien, si petit commissaire gouvernement en Antigouave, présent dans le mouvement protestation, Fritzner Beaubrun, c'est un endroit à l'université. Li campé Abdias Edumé comme un bon ami. Yon bon collègue, toi ayant profité, retourner sous circonstance enlèvement ça. Selon ce qui a été rapporté par un membre de la famille, c'était à Delma 19, semble-t-il, l'état vaqué à occupation, parce que subitement, n'est-ce pas, un commando a fait irruption et l'a enlevé. Nouvelle kidnapping ça a démoralisé étudiant yo. Li difficile pour continuer à suivre coup dans une situation comme ça. Dans ce sens, le responsable de la faculté a décidé de camper Kouyo jusqu'à ce qu'il rejoigne libération professeur. Il n'y a pas de conditions de travail favorables à l'apprentissage. Donc, jusqu'à nouvel ordre, les cours sont suspendus, n'est-ce pas, avec l'espoir que bientôt nous trouvons satisfaction et que le professeur pourra regagner sa salle de classe sans aucun problème. Ce n'est pas la première fois l'université sa victime. Bandit qu'on habitait voler valise, laptop à téléphone étudiant yo et même rivé violer mesdames yo. Kidnapping professeur semblait ces derniers gouttes de l'eau qui renversaient vase là. Fistré, étudiant yo pas mettre de l'eau dans bouche pour critiquer autorité yo. Selon ça, yo dit, professeur a payé rançon déjà parce qu'il choisit former jeunes dans le pays. Malgré soleil là bien rond dans le ciel là, étudiants ont passé un bon bout de temps en avenue Martin Luther King à Cri Rivière. Pendant yo là, yon bande rara vin pote si po ba yo. Rapide vite, tempo a changé. Ambiance lan tourne carnaval. Définitivement, phénomène kidnapping là tourne un fléau qui a plongé société. Pendant 5 derniers jours passés, il y a environ 15 cas kidnapping qui recensés. Cas qui plongeait presque toute population en la peine, c'est un petit petit 5 l'année yo kidnappé et puis mandé maman yon petit machin de pistache, yon vom l'argent le pas possédé. Maman ça t'a joine côté les anges là sous Pombrea nan Matissan. Toutes zaknet sa yo a passé en bas denawe autorité yo qui d'après un pile citoyen pas manifesté aucune volonté pour freiner machine sécurité a. Peterson Luxama, Caraïbe FM. Merci Peterson Luxama. C'est vrai qu'il y a plusieurs cas kidnapping qui recensés dans le pays pendant le dernier jour. Ça y est, côté seulement sorti dimanche 14 pour arriver 18 février. 13 cas enregistrés. Porte-parole police, l'inspecteur Gary Desrosiers fait qu'on est. Institution policière n'a pas décidé de rester bras croisés face à cette situation. Ça. Inspecteur Gary Desrosiers profite de la collaboration population pour mettre agent l'audio plus efficace dans le cadre de travail. Il y a d'abord concernant le dossier commissariat Grand Avenue dans Gary Desrosiers fait qu'on a gagné une disposition qu'il prend pour récupérer l'espace là-bas dit Grand Avenue, te prend en otage et puis mettre des policiers dans le commissariat. Gary Desrosiers. Nous recensons plusieurs cas de kidnapping. Il y a un chiffre là, exactement, on a dit combien pour le moment. Mais nous recensons et on a dit encore une fois, la police pas écarté de responsabilité, pas dédouané de responsabilité. Nous conscients, problème là, et problème là, pratiquement la répété et presque chaque jour, et on a dit encore une fois, population a gagné un rôle pas pour jouer. Et ça fait que nous dit, dans le cas yo, qui est à kidnapping également insécurité, chaque monde dans la population, c'est un policier que lui. À savoir, si on a un passé, il faut que lui-même tout soit capable et il faut faire l'effort de ça. Il faut que vous touchez responsable, la police part et enlèvement. Mais tout, nous te dit ça,
Les gens qui kidnappent les gens sont côté qui a la belle, sont côté séquestré. Et côté qui est séquestré, il y a des gens qui vivent là-dedans. Nous demandons pour yo poter coller son tête ensemble pour nous combattre phénomène ça, également phénomène qui vient pour être avec insécurité. Parce que les cas de kidnapping enregistrés, c'est de monde, c'est de familles qui sont victimes. Et il y a des conséquences directes sur la population. Et c'est ça qui crée des paniques. Et nous avons tout, les bons cas de kidnapping dans la zone, rapidement nous avons gagné par les quatre bons sens de bagaille. Nous comprenons encore une fois la population de comportement ça, et nous avons encouragé les pour veiller avec la police nationale pour ensemble, si cas ça fait, yo bon moun, ou elle, que yo prend moun dans la velle, nous pensons que la population est capable de barrer moun dans la route et pour la police même capable de faire intervention. C'est certain que quand on vive là, ou nous pas mando pour que si on mette la police pour tout pour nous courant, mais ou capable de faire et discrètement et pour que nous mêmes nous capable de faire travail. Gagné et plusieurs bandits et qui étaient pratiquement grand et commissariat et nous était en contact avec responsable et la police ça arrivé au niveau technique n'a pris disposition pour que nous capable récupérer et espace là. Et nous avons noté tout, nous avons quelques matériels tout que nous avons perdu au niveau commissariat. Et nous disons quelques matériels, parce que plusieurs, et on connaît que à la situation arrivée, il faut que nous allions sous place pour que nous soyons capables justement de faire un rapport logistique et concernant l'ensemble du bail là. Mais selon le responsable, il y a quelques matériels. Et le commissariat, espace-temps, il est vide et nous-mêmes, nous avons disposition pour que nous soyons capables d'aller justement et récupérer. Par exemple, l'on est arrivé dans une situation ça. Il y a des situations qui m'ont encore à corps. Mais là où on a considéré les riverains, les gens qui vivent dans une zone, dans l'espace, je pense que la vie est très très importante et ça fait parfois si il y a des situations pour éviter des dommages au niveau de la population. Hein, et nous sommes obligés parfois tout faire retrait. Mais au niveau de la direction générale, disposition à prendre pour que nous soyons capables de prendre le contrôle de l'espace. Alors que divers secteurs dans la société a continué à parler les chalbarrés de Jovenel Moïse sous pouvoir, pourtant il continue à renforcer l'équipe li officiellement gagne un nouveau délégué qui est installé dans la tête délégation départementale la Tibonite là. C'est jeudi 18 février, installation sa fête. Dans l'intervention, le nouveau représentant exécutif là dans le département, M. Enoch Genelius, mettait accent particulièrement sur la nécessité pour gagner tête ensemble dans mi-temps toute force vive nation dans la communauté. Une façon pour combattre le phénomène banditisme là, il dit qu'il paralysait bon fonctionnement toute activité dans la ville là, depuis plusieurs jours. En écoutant un bout de l'intervention délégué Enoch Genelius dans le micro de Livens Jules. Je suis flatté par ce choix fait par le président de la République dans une période cruciale de l'histoire de notre nation. La route n'est pas facile, elle est pierreuse, elle est ténébreuse, épineuse, glissante. Mais avec la ferme volonté que j'ai, la victoire est certaine. Une société déchirée, une société où la discorde, la division battent leur plein. Il y a ce constat, c'est pas tant. Un effritement de valeur dans cette société. L'éducation n'a plus de valeur. La famille a disparu. Les quartiers sont divisés. Les institutions étatiques sont divisées. La division est partout. Il est nécessaire que nous cherchions là où nous sommes un. Où est-ce que nous sommes un? Haïti est pour nous toutes. Et de manière plus singulière, le département de la Tibonite est pour nous toutes. Il y a nécessité pour nous faire la paix. Tant que le président toujours dit, son excellence, Jovenel Moïse, ce seul dans le dialogue, nous avons avancé. Nous ne pouvons pas construire une société sous la discorde. Non, chien mange chien. Haïti n'a pas qu'à en guerre avec propre tête pâle. Si nous comptons goumer, nous avons goumer avec l'autre nation qui t'avait piétiné de nous. Mais nous ne pouvons pas goumer avec propre frère, nous actionnons. Le moment est venu pour que nous fassions la paix entre nous. La paix, c'est le seul chemin qui t'amène nous vers le développement durable. Faut nous faire la paix. Société civile qu'on arrive là, il y a nécessité pour nous faire la paix. Leur arrivée pour jouer rôle pour là. Le parquet des Gonaïves, leur arrivée pour jouer rôle pour là. La police nationale d'Haïti affectée au commissariat des Gonaïves de Saint-Marc et partout, dans les différents commissariats du département, l'heure est à la paix. Il y a une question de prise de responsabilité collective. Pas de question, c'est moi qui bon, moi qui connais. Les bateaux ont tombé tout pour nous couler là-dedans. Il y a du temps pour nous connaître la nécessité pour nous faire la paix
pour nous faire tourner en réalité. Il n'y a pas de discours, mais il doit faire partie de la vie quotidienne. Nous ne pouvons pas sortir dans ma race économique, dans la promiscuité, dans la classe, si nous faisons chien manger chien chaque jour. La Tibonite, c'est bon époque, c'est lui-même qui était grenier république là. Mais je dis là, il s'est département de la honte parce que les gangsterisés. Combien de jeunes intellectuels qu'il a, qui prêts pour mettre main à veine, pour nous démanteler les gangs, pour nous dire paisible, qu'à vivre pour les citoyens, la caille. Moi, j'ai volonté. Facteur de motivation à la caille, c'est la paix pour toute petite, la Tibonite. Me motivé. Moi, prêt pour me bailler en sacrifice pour le département PAM. On dit bien, en sacrifice. C'est ça. Je le dis et je le maintiens. Et ça sort du plus profond de moi-même. Si c'est sans panne qui peut couler, pour que nous étions sans papa, pour que la paix dans la Tibonite, je m'engage. Quatorze interpellations, plusieurs blessés, c'est un bilan partiel, trois jours gras dans la ville pas de paix, 14, 15 et 16 février passé, porte-parole police là, félicité population qui a gagné un bon comportement pendant le déroulement Bias Carnaval dans le département nord-ouest pays qui permet de pas enregistrer aucun mort. Par les gens qui ont arrêté, il faut que nous disions, par les gens qui ont arrêté, c'est pour détention illégale, ZAM, d'après Gary Deozy, en côté. Nous recensons tout, plusieurs monde qui blessés et gain l'autre monde tout, c'est suite à des malaises au niveau stand, même au niveau parcours là, côté que pratiquement ambulance et santé publique t'est couvri avec la police événement ça. N'a dit nous t'ai prend pile disposition et j'en n'étais pas là avant carnaval là côté que t'ai gagné environ 1500 policiers qui mobilisés pour sécurisation et festivité ça. Heureusement, nous pas enregistré monde qui mouri, heureusement et Direction générale la tour a profité tout antenne la presse qu'il a pour que nous féliciter moun port de paix qui a eu un comportement vraiment exceptionnel côté que toute bagarre était passée dans l'ordre et dans la discipline. C'est certain que il y a des cas où on connaît carnaval culturellement il y a laissé frapper et malheureusement nous recensons quelques cas de blessures légères. Après déroulement carnaval national dans le pays Haïti, trouvé une quarantaine côté pays Bahamas, a interdit tout vol commercial qui a sorti Haïti pour une période de 21 jours. En tout cas, dernier avis, ministère Santé publique à population a souligné 49 nouveaux cas de contamination. Détail avec Lydie Alexandre. Organisation carnaval national dans le pays d'Haïti pendant la période pandémie coronavirus là, dirigeant pays étranger qui dit aux ses amis Haïti, considéré le tant qu'un scandale, yo qualifié irresponsable autorité pays d'Haïti yo. Mais tout le monde t'a pensé c'est une blague, même ministère santé publique ak population qui passe suspend roi pinga nan note la mette d'ailleurs temps en temps sur comment coronavirus la a évolué dans pays d'Haïti, tenant que activité carnaval yo nan porte paix. Dans l'idée pour combattre cas contamination coronavirus qui a sorti dans le pays d'Haïti après manifestation populaire ça qui organisé dans violation des barrières yo, pays Bahamas interdit haïtiens pile territoire pendant 21 jours. Yon mesi qui commençait depuis lundi 15 février passé. Alors que chef l'État et tout le monde qui était avec lui, yo tout te gen masque dans l'idée pour protéger tête yo contre coronavirus là. Pendant plusieurs dizaines de milliers de carnavaliers tapia ya koyo sans protection contre coronavirus là. Dans ce sens, doute à quel sauté yo capable renforcer kay en pile moun nan population qui toujours pensait coronavirus là c'est un fab, c'est politique pour faire moun paix. Alors que les paraît devant stand MSPPA au Cali, n'a cité coronavirus là toujours là, prend précaution. Mais ambiance sans limite tout monde tape suivre nan porte paix, te montrer bagay yo dépamment ak sa MSPPA di yo. En pile moun kwen nan sens sa, microbe semble pas faire haïtien paix, les considéré plusieurs milliers moun kap mouri nan monde lan chaque jour nan coronavirus. Alors que 13 février passé a gagné environ 49 lot moun ki trape virus la, d'après ça MSPP fait konnen. N'ap souligné gen l'autre pays tant que Canada ak la France qui était déjà campé tout vol sous Haïti depuis l'épidémie coronavirus là commencé faire ravage sous territoire yo. Qui ça nous capable tant après carnaval national ça qui était réuni quantité monde ça dans porte paix. Yo deuxième vague autorité pays d'Haïti yo paix ou bien tout bagay pral continuer tant que pas jam gen présence coronavirus sous territoire. Lydie Alexandre Caraïbe FM. Une occasion avant d'aller quelques na principal information nous te développe. Plateforme NAP marché pour la vie organisée jeudi vendredi à un procès contre dictature
à travers process là qui visait conscientiser population hein, sur nécessité pour lever campé contre régime dictatorial Jovenel Moïse mettez campé dans pays hein, avocat qui était en face parti qui sous pouvoir était rallié à article 134-2 pour montrer mandat Jovenel Moïse revenir à boutli depuis 7 février 2021. Un groupe avocat parmi ancien sénateur Jean-Renel Sénatus avec maître Renald Georges déposé jeudi vendredi hein, yon plainte devant tribunal correctionnel contre ancien président Jovenel Moïse pour usurpation de titre et fonction. Groupe avocat Sayo qui croit Jovenel Moïse pas aucune autorité légitime à constitutionnel réclamer peine emprisonnement et dégradation physique pour prévenir côté li pap même gen droit prendre soin madame ni ak petite li. Phénomène kidnapping na vallée terrain dans zone métropolitaine na chaque jour plus plusieurs dizaines d'étudiants à l'université Port-au-Prince marché dans capitale la jeudi vendredi a pour continuer dire nous avec phénomène ça et puis exiger libération sans condition pour essayer Yoab Dias et Dumé yo kidnappé mercredi passé dans zone Delma 19. C'est vrai gain plusieurs cas kidnapping qui recensé dans pays a dernier jour ça yo côté seulement sorti dimanche 14 pour arriver 18 février 13 cas qui enregistré porte-parole police là inspecteur Gary Desrosiers fait connaître institution policière pas décidé rester bras croisés face à cette situation ça. Merci à pile tout le monde qui toujours choisit Caraïbes pour informer ou toute équipe là t'est mobilisée. Rédaction Ganito François Guerrier, Dieu seul. Coordination Daniel Gilbert, production Renatoine Lerbouge, Jean-Claude Dolcé. Colson Réjouit a fait manœuvre technique. Rétez sous Caraïbes FM, KLG Baptiste Pralvini pour SOS Solitude. Mais c'est vendredi, c'est week-end. Bon week-end tout le monde. Conseil là toujours clair. Si n'a pris bouteille, pas prendre volant. Si n'a pris volant, tout pas prendre bouteille. Week-end ça belle, mais quoi me souvler, week-end cap vini à Pibel.